Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Et oui, encore un haul action, mais de toute façon, depuis qu'il y a un action dans ma ville, je peux pas m'en empêcher, j'ai tout le temps envie d'y aller. Donc je me suis retenue un petit peu, mais là je peux plus, j'adore, donc j'ai pas rien. J'y suis allée hier soir, et donc voilà. Je vais commencer par tout ce qui est beauté, hein, ça me semble bien ça. Alors bien évidemment, j'ai pris ceci, vous me connaissez, ma passion pour les gels douche. Voilà. Alors j'ai pris un Palmolive, celui-ci je le connaissais pas du tout en fait, les deux douches à 1,39€, Mediterranean Moments, à l'huile d'argan et amande. Alors je l'avais jamais vu celui-ci, donc ben, je sais pas, est-ce qu'il y a que dans les actions apparemment, donc c'est pas écrit en français, donc je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient, à mon avis c'est pas pour le marché français. Donc voilà, 1,39€. J'ai pris aussi un Nivea. Voilà, alors il se présente comme ceci. Alors, je sais pas si vous verrez à l'intérieur des espèces de petites bulles. Voilà un petit peu, mais je crois qu'elles font rien du tout. Elles s'éclatent juste sur la peau quand on est, quand on se douche. 1,69€ celui-ci. Perle d'huile et senteur de frangipanie. Alors moi je croyais que c'est la frangipane au début, j'étais contente, je me dis tiens c'est la galette des rois. En fait pas du tout, frangipanie c'est apparemment une fleur. Donc, enfin c'est pas grave, ça sent très frais celui-ci. J'ai pris aussi parce que j'ai vu sur la chaîne de Soleil 712 je crois make-up. Je vous mettrai un lien vers sa chaîne, j'adore cette fille, c'est une fille qui habite pas loin de chez moi en plus apparemment. Enfin, j'adore, je la trouve magnifique. Bref, elle est allée dans son action je crois si je ne m'abuse. Hein. J'espère que je dis pas de bêtises d'ailleurs. Je crois qu'elle avait présenté ça donc il y a 946ml à l'huile de coco. Donc ça c'est un shampoing hydratant. Et alors le gros format comme ça coûtait 1,99€. Et bien sûr j'ai pris le soin qui va avec. Pareil, 1,99€. Mais c'est fou ce truc là. Enfin, la contenance, elle est immense. Même le soin, la contenance, c'est 400... Non, pardon, du début, tu n'exagères pas, Caro. 295ml. Donc, pour le prix, j'ai trouvé ça super. Et il me fallait un après-shampoing, donc j'essaye celui-ci. Pareil, je ne connais pas du tout. Le Schwarzkopf anti-nœud après-shampoing. La vitamine, provitamine B5. Effet antistatique, éclat pour cheveux longs et bouclés. Donc moi ils sont pas bouclés mais c'est pas grave. 2,19€. Alors celui-là était un peu plus cher que les autres, mais je trouvais qu'il sentait très très bon. Et je veux pas mettre trop de trucs dégueulasses sur mes cheveux. Donc je mets ça. Ensuite, alors là je vais faire un petit coucou à une copine à moi qui s'appelle Angélique. Je te fais un coucou. Elle m'avait demandé si j'avais essayé ça. Donc bah écoute, je pouvais pas m'en empêcher. C'est alors un gel d'escargot, alors je crois que c'est à 1,99€, c'est une espèce de crème. Alors regardez le petit escargot. Enfin bref, apparemment c'est à la baffe d'escargot. Voilà, donc c'est vert. Alors ça sent très très frais. Hein. Apparemment c'est un gel qui se met donc comme une base. Et alors apparemment... c'est anti-imperfection, anti-acné, qu'est-ce que j'ai lu aussi, cicatrice, tache de vieillesse, rides, vergetures ou rides d'expression. Donc bon, je sais pas, hein, parce qu'à 1,99€, en plus à la base d'escargot, je suis vraiment, ils inventent n'importe quoi. Mais elle m'en avait parlé. Donc Angélique, je te fais un petit coucou, et puis bah je vous tiendrai au courant. Et puis j'ai pris aussi une marque McLean's, je connais pas, donc ça c'est un dentifrice blanchissant effet longue durée apparemment. Il coûtait 1,69€ celui-ci. Je crois que c'est une marque anglaise ou américaine, je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez cette marque-là? UK, ouais, ça doit être anglais. Je pense que je l'avais vu quand j'habitais là-bas. Ça me dit quelque chose, cette marque-là. Et donc 2,19€, je crois que ça doit être certainement assez cher parce que pour être encore à 2,19€ chez Action. Donc j'ai voulu le tester. C'est tout. Ah non, c'est pas tout. C'est tout, Caro. Pour la partie beauté, non. Partie maquillage maintenant. Alors j'ai voulu... j'ai regardé une chaîne, la chaîne d'une fille, alors oh, je me rappelle plus, je suis abonnée depuis pas longtemps, je vais essayer de la retrouver. Cette fille, elle avait des produits Action, elle parlait de cette base de maquillage. Voilà, alors à 1,59€, j'ai mis le prix dessus, il paraît qu'elle était très bien. Donc ça c'est pour après la crème de jour, sous le fond de teint, sous le maquillage, pour faire tenir le maquillage toute la journée. 1,59€, je m'en prie pas. Ensuite, 0,99€, c'est un fond de teint compact. Donc j'ai pris la teinte light beige. Donc ça doit s'étaler avec une petite houppette, j'imagine.
J'essaye, hein, parce que franchement, il y a 0,99. Alors ça, j'ai trouvé ça super. C'est un combo, vous avez un vernis à ongles et le top coat. Franchement, pour ce prix-là, il a été, elle était pas mal la couleur. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Je sais pas du tout. Moi, je trouve que c'est pas trop mal, hein. Alors, voilà. Est-ce que vous verrez bien la couleur? Je ne sais pas. Ça, c'est hot pink, hein, vraiment. Et le top coat. Voilà. Donc, je sais pas. Bon, écoutez, là, je porte un rouge à lèvres que j'ai eu là-bas chez Action. Je sais pas. Moi, je trouve que c'est pas trop mal, hein, honnêtement. Et puis, alors là, j'étais étonnée de trouver la marque L'Oréal à 1,49€. J'ai pris un vernis, vous voyez, un peu holographique comme ça. 1,49€. Un color riche. Alors, ça doit être un vieux truc des années 3 là. Mais bon, à ce prix-là, je pense que voilà, c'est une fin de série. Ensuite, bon, bah, partie beauté, je vous montre quand même. Mais j'ai trouvé des brosses à dents 8 pour 0,95. 95 centimes. J'en ai profité. Ensuite, toujours chez Action, je me suis pris pour 85 centimes une petite boîte de conservation. Rose, bien sûr, hein. Vous voyez, donc ça, c'est impeccable. J'ai tout là-dedans, j'adore ça. Ensuite, des petites pailles. Enfin, des petites pailles, elles sont énormes. À 59 centimes, c'est parce que je bois beaucoup de smoothies. Donc, j'aime bien les grosses pailles comme ça, elles sont assez grandes. Et je me fais des trucs mais énormes moi, alors avec plein de fruits, hein, parce que je suis végétalienne, je le dis dans chaque vidéo, tout le monde s'en fout. Mais bon bref, donc je mange beaucoup de fruits comme ça en smoothie, et voilà, donc il me faut des grandes pailles. J'ai repris, vous connaissez ma passion pour les serviettes de table, bien sûr. Voilà, alors celles-ci, elles étaient à 78 centimes. J'adore, oh, j'adore quand il y a des roses en plus, oh là là. Partie école. Je me suis pris une petite boîte comme ça. Je vous avais montré dans le précédent haul une grande avec des chevaux dessus. Et là, j'ai pris les chats, les petits chats. Vous voyez, bon, c'est blanc à l'intérieur. C'est plutôt joli, je trouve. 99 centimes. Je mets pas mal de choses pour l'école. Ensuite, partie nourriture. Je me suis pris une petite chili sauce à 95 centimes. Donc ça, c'est aigre douce, sauce aigre douce, j'imagine, un petit peu sucré salé. Moi j'en mets partout. J'en mets partout. En plus, normalement, c'est parfait pour les véganes. Donc, enfin voilà, c'est pas écrit, mais en principe, c'est bon, il n'y a pas de souci. Sauce au piment doux. Alors, pareil, 99 centimes, ça j'adore, c'est mon péché mignon. C'est les galettes de riz. Niveau galettes, ben écoutez, j'ai pris des crackers. Comme ceci, aux graines de lin, et puis là, je sais pas, aux différentes graines aussi, graines de tournesol, épeautre. Voilà, alors un qui coûtait 1,79 et l'autre 1,49. Ça, j'adore. Mais ça, je goûte avec ça, moi. J'adore. Je suis une folle de la nutrition, de toute façon, j'ai un grain. Oh, c'est qu'elle le dit. Et puis pour mon chéri, parce qu'il adore des petits grains comme ça, vous avez des noix, des dattes, des bananes séchées, voilà, et ça, ça coûtait 1,59. Lui, il aime bien ça. Et alors nous, on aime bien tous les deux, c'est ça. D'ailleurs, j'allais que pour ça à la base, hein. C'est des raisins enrobés de chocolat. Voilà, alors ça, j'adore. Ça, c'est vraiment, vraiment péché mignon. Mais j'ai une boîte comme ça, je la mange, hein. Ça, c'est clair et net. Et puis, j'ai pris une autre sorte aussi, avec cranberry au chocolat. Là, c'est les cranberries au chocolat et il y a chocolat blanc aussi. Donc, 1,99€ la boîte. Donc, j'en ai pris 4 en tout. Tout va bien. Et puis, pour finir, je suis passée chez Locibé parce que j'avais une réduction de 10€. Donc, alors, je suis très agréablement surprise. Parce que je voulais prendre un vernis à ongles Chanel. Alors, ils sont super. Hein, les couleurs, il n'y a pas de souci. Mais des vernis à 30€, franchement. Alors, j'ai trouvé ces 3-là. Et je suis super contente. Alors, j'ai pris un Nocibé un peu holographique, vous voyez. Alors, c'est le Spectral Pink, c'est le numéro 3. Vernis caméléon, ils appellent ça Vernis Color Dry on Fire, c'est le numéro 3 aussi. Donc, toujours de chez Nocibé. Et Vernis à pois Fuchsia Touch. Bon, c'est écrit 3 partout. Alors, je suppose que c'est le numéro 3 partout, mais bon, voilà. Alors, le holographique, vous le voyez, je le porte ici. Celui-ci, je le porte ici. Et celui-ci, je le porte ici. Je vais faire un mix de tout.
Donc voilà, et franchement, l'application est super, ça sèche très vite. J'étais vraiment contente. Je les trouve vraiment très beaux ces trois-là. C'est 6,50 € l'un, je crois. Donc franchement, c'est très bien. Puis enfin, vous voyez, je sais pas si vous verrez bien en fait. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Enfin bon, bref. Bon, profitez-en. Et puis avec, j'ai eu un échantillon de celui-ci que je déteste, je trouve dégueulasse. Excusez-moi du vocabulaire, mais franchement, la petite robe noire, je trouve affreux. Oh, moi, il m'entête, j'ai envie de vomir quand je le mets. Et par contre, bon, il y a moins 25% sur tous les achats du 22 juin au 18 juillet. Donc voilà. Ça, je l'ai tout le temps et il finit toujours à la poubelle parce que j'oublie de Et le puis pour vider. finir, ma casquette. Alors, vous connaissez ma passion pour l'Angleterre. Évidemment, ça, c'est un cadeau de mon chéri. Alors, j'étais trop contente. Elle est bleu marine. Écrit, alors vous voyez en relief en blanc avec le drapeau en dessous anglais. Donc c'est la marque Zerod. C'est mon chéri qui m'a offert ça. Alors lui, c'est sa marque, attention. En fait, c'est une marque pour les triathlètes parce que lui fait du triathlon. Moi, je fais du triathlon comme lui est fan de maquillage, vous voyez à peu près. Donc j'y connais que dalle. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils ont des super vêtements. Je vous avais présenté le top la dernière fois dans ma vidéo. Il m'avait acheté un top. Il m'a acheté un bas, un legging pour faire du sport. J'ai aussi une veste. Enfin, je vous montrerai ça dans d'autres vidéos si vous voulez. La qualité, elle est juste super. Bon, on la paye un petit peu, hein, je vais pas vous mentir. Mais franchement, enfin, oh, je trouve ça super. Et puis alors les détails de tout ce qu'ils font, c'est super. Donc ça, franchement, voilà pourquoi j'ai tourné avec cette casquette. Je voulais vous la présenter, donc voilà. Donc je vous mets le lien en barre d'infos vers leur site. Je ne sais plus le prix de la casquette. Puis d'ailleurs, je crois que j'ai jamais su puisque c'est un cadeau. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous retrouver très vite. Et puis voilà, gros bisous les filles. Ciao, ciao.